Peuple de Dieu Shalom, aujourd'hui je suis devant vous pour vous exhorter pendant 2 minutes. Le thème de mon exhortation, je l'intitule « Le vrai héritage ». Le vrai héritage que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 9, au premier verset, « Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. » Donc là, je vais parler du pouvoir et puissance. Pouvoir et puissance sont deux héritages que le Seigneur nous a laissés. Vous savez, bien aimé, la Bible n'a pas été écrite en français. L'Ancien Testament était écrit en hébreu et le Nouveau Testament était écrit en grec. Alors, pouvoir vient du mot grec, dynamite, traduit en français par une dynamite qui est une bombe. Et puissance vient du mot grec exosia, traduit en français par une exorcisée qui est une autorité. Tout enfant de Dieu doit savoir, tel que nous sommes là, nous marchons avec l'autorité, nous marchons aussi avec le pouvoir. Donc, devant le problème, nous avons ce qu'on appelle exosia, qui est une bombe. Devant le problème, nous avons ce qui est dynamite, qui est une autorité. Nous devons savoir que le Seigneur nous a laissé ces deux choses. Chaque enfant de Dieu a l'autorité et chaque enfant de Dieu a aussi une bombe. Bien-aimés dans le Seigneur, devant le problème, nous ne pouvons pas reculer. Parce que la bombe est de notre côté. Et si nous voyons par rapport au champ d'action, le Seigneur est clair. Il nous a laissé l'autorité sur les démons. Et devant la maladie, il nous a laissé la puissance. Donc cela veut dire, la puissance qui est une bombe, nous devons lâcher ça devant la maladie. Quand une maladie, bien aimé, se présente devant toi, que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie spirituelle, lâche la bombe pour que cette maladie-là puisse disparaître. Notre Dieu, on l'appelle Jéhovah Rapha. La Bible dit que c'est lui qui guérit de toutes sortes de maladies. Quel que soit le nom de cette maladie, mais une chose est qui est vraie, que le Seigneur nous a donné l'autorité. Regarde, la Bible dit, un jour, le Seigneur est rentré dans la maison de belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre avait la fièvre. Et le Seigneur a prié, la fièvre a quitté la belle-mère. Or, la fièvre n'est pas le nom de la maladie. La fièvre, c'est un symptôme qu'on trouve dans presque toutes les maladies. Ces jours-là, le Seigneur a caché le nom de la maladie. Le Seigneur n'a pas voulu dire le nom de la maladie. Il a dit seulement que cette belle-mère avait la fièvre. Parce qu'il y a beaucoup de gens bien-aimés qui tremblent devant le nom de la maladie. Je vais te dire aujourd'hui, de la même façon que le Seigneur peut guérir quelqu'un du paludisme, de la même façon qu'il peut guérir quelqu'un qui a le sida. Que ce soit une maladie parasitaire, que ce soit une maladie bactérielle, que ce soit bien-aimé, une maladie virale, lâche la bombe au nom de Jésus et vois ce que la bombe doit faire. La Bible dit, le Seigneur nous a donné la puissance de guérir toutes les maladies. Donc, quel que soit le nom de la maladie, nous avons la bombe. Et la deuxième des choses, nous avons l'autorité sur les démons. Je vous avais dit que l'autorité, bien aimé, ce n'est pas pour tuer les démons, mais c'est pour chasser les démons. Donc, devant les démons, on ne peut pas les tuer. Nous avons seulement cette capacité de les chasser. Je me réduis par là que nous avons un adversaire immortel. Personne ne peut tuer aucun démon aujourd'hui. Nous avons toujours l'autorité de les chasser. Donc, tu les chasses aujourd'hui, ils partent. Demain, ils peuvent encore revenir. Tu dois encore les chasser. Ils peuvent encore venir, tu dois encore les chasser. Voilà pourquoi j'exhorte aux enfants de Dieu de comprendre que nous sommes dans un champ de bataille. Nous devons toujours marcher selon la parole de Dieu afin que la puissance soit constamment à nous pour que nous continuions à chasser les démons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, que la puissance peut s'augmenter et la puissance aussi peut diminuer. La puissance, bien-aimés, après avoir opéré, après avoir chassé les démons, ça peut baisser. Il faut que tu rentres encore dans la prière pour que la puissance puisse encore s'augmenter. La Bible dit, un jour, Jésus-Christ était entré de marcher
Il y avait une femme qui se disait, si j'ai seulement touché, je serai guérie. Parce que la femme avait la perte de sang. Et quand la femme a touché, la femme était guérie. Mais il y avait quelque chose qui était sorti de Jésus. La Seigneur a dit, qui m'a touché? Parce que j'ai senti une puissance sortir de moi. Et suivez très bien, le Seigneur, après avoir opéré le miracle, il rentrait, bien aimé, sur la montagne pour prier afin que cette puissance puisse encore revenir. Nous sommes dans un monde de combat. Si tu veux être un chrétien qui sera toujours rempli de la puissance pour continuer à chasser les démons chaque jour de ta vie, il faut que tu sois une personne de prière et de la sanctification. Opter comme la vie de Jésus, c'est alors que tu seras un chrétien très puissant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait à ses disciples, « Soyez tous mes imitateurs, comme moi je le suis de Jésus. » J'aimerais dire par là que tous les enfants de Dieu puissent suivre leur père spirituel qui marche selon la parole de Dieu. Et les parents spirituels doivent être des exemples. Ne sois pas comme disent certains prédicateurs, Fais seulement ce que moi je te prêche, mais ne suis pas ma vie. Non, là ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu, afin que nous demeurons bien aimés constamment dans cette vie de victoire. Que Dieu vous bénisse. HappyBox TV. HappyBox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358. Achetez les décodeurs HappyBox TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la HappyBox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. HappyBox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets HappyBox TV et Orao Télécom. 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Bein Sport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur HappyBox TV pour regarder la télé autrement. HappyBox TV. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hôtel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwen na Bwalaku Talababuti. Pour vos réservations, faites-les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Pactol TV, qui se veut être la vitrine de la louange, vous propose Gospel View. Gospel View, c'est l'émission qui valorise vos vues du net.
titres du moment, les clips les plus suivis, Gospel View vous dira tout. Gospel View avec Presi Zonzolo, dans l'idée d'infuser une saine émulation chez les artistes chrétiens. Dans cette émission, nous vous donnerons les news des hits qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux. Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net. Alors soyez connectés pour découvrir ces tubes. Gospel View, c'est sur Pactol TV. La chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence. Shalom, c'est votre sœur Tegran Touba. Je suis artiste musicienne évoluant ici à Lubumbashi, le pays du Congo bien sûr. Je vous demande de suivre votre chaîne Pactol TV, une chaîne de différence, une chaîne qui vous bénit, une chaîne qui vous fortifie. Je vous demande papa, maman, chaque fois de suivre Pactol TV, vous ne serez pas déçus. Jusque là, restez bénis. Pactol TV, nous sommes ensemble. Emungu wetu yuko mwema, Emungu wetu yuko mwema, Emungu yuko mwema. Umenitosha pa, umeniweka pa, umenitosha pa, umeniweka pa.